Mais là, on marche même plus, on glisse, putain! Salut Camille, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent de venir en action de désobéissance civile? Nous sommes le 26 mai, il est 6h du matin, et on s'apprête à entrer dans un camion de location direction la salle Pleyel. C'est là que doit avoir lieu l'Assemblée Générale de Total Énergie. C'est de plus en plus bizarre. Un peu moins bizarre. Ils savent que nous venons, mais le dispositif mis en place pour nous empêcher de bloquer l'AG est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Le dispositif sur place, c'est un peu renforcé. C'est ma première action de désobéissance civile, et comme beaucoup d'autres, je ressens un mélange d'appréhension et d'agitation. Je me sens à moitié prête, on va dire. Ok. Parce qu'il y a une petite partie d'inconnus. Dans ce camion, je suis entourée de bloqueurs et de bloqueuses, mais moi aujourd'hui, je suis là en tant que média-activiste. J'ai demandé à être au cœur de l'action, et comme vous allez le voir, je ne vais pas être déçue. Nous sommes arrivés à destination. La prochaine étape, c'est de courir pour essayer de bloquer l'entrée de la salle Pleyel. Essayer de trouver d'autres gens et de faire un gros groupe et d'aller dans la rue et de courir jusqu'à la salle. Maintenant ? Oui. Go ! Oh là ! Ah ouais, non, mais il y a des places. La police nous attend et elle est bien décidée à ne pas nous laisser passer. Les mains en l'air. Vous avez mal. Aïe, oh là là. Doucement. Déclenchez vos caméras piétons, les gars. Sors. Il est où là? Doucement, on est non violent. Doucement, s'il vous plaît, on est non violent. Sors. Non violent. Ah, vous m'étranglez, monsieur. Doucement. Merci de ne pas me toucher les seins. Oh, s'il vous plaît, non, ne tapez pas. Ah, coupez en deux. Allez. Allez, vous coupez en deux. On est non violent. On arrive à avancer un peu, mais on est vite aspergé de gaz lacrymo. Ah, ça picote. Donc, vous pouvez mettre... Oui. Attends. Bouge plus. Ouvre les yeux. Ça va mieux ou pas? Ça va passer. Ok. Ah, ça picote le nez quand même. Ça peut aller. Doucement s'il vous plaît. Doucement s'il vous plaît. Doucement s'il vous plaît. Doucement s'il vous plaît. Doucement. Aïe aïe aïe. Elle part sur vous. C'est bon sang. Ça va? Debout. Prenne pas les gens. C'est bien. Ça va? Ouais, j'ai perdu ma chose, mais sinon ça va. Ah merde! Ça va? T'as mal quelque part, si on craignait? Ah merde, s'il vous plaît! Il va passer et tu dis que bah. Attends, vas-y, on y va. Ça va? Tu veux sortir? On va faire ça? Ouais. Tu veux sortir? Ok. Alors, ouvre les yeux doucement. Alors, ouais, ça va aller. C'est de l'eau, hein. Vraiment, c'est pour toi. Allez, ça va aller mieux. Garde-le avec toi. Doucement, il y a des gens par terre.
plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir du truc pour les yeux? Une basket déjà a été perdue. Qui a perdu sa basket? Ah, y'a un gars, basket blanche. Basket blanche, par là-bas, par là-bas. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure un gars. Ouais, on a retrouvé la basket, bravo. Heureusement, ça a fini par passer. Ouais. Heureusement. Oh là 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 là. On s'est fait pousser. Ça marche pas. Arrêtez! Ousmane, s'il vous plaît, vous êtes filmé! Laissez-vous passer! Arrêtez! Vos collègues nous écrasent de l'autre côté, s'il vous plaît! Reculez! Reculez là! Mais elle peut pas! Vous poussez de l'autre côté! À un moment, ça fait sandwich! Ah putain! On va rien casser, on va faire ça pour vous en fait! Plus chaud, plus chaud que l'acrimon, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que l'acrimon. Il faut sauter son balle, je me fais filer. Il faut sauter son balle, le climat s'emballe. Il faut sauter son balle, le climat s'emballe. Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. Le truc avec la lacrymo, c'est que c'est assez vicieux parce que t'en reçois donc sur les yeux, le nez, la bouche, tout ça, mais aussi sur le visage. Et si tu touches ta peau et après tu touches tes yeux, bah là c'est reparti quoi. Ça fait mal encore. Ouais, ça va. Tiens, 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 avec de l'eau. Tout ce qu'on veut, c'est renverser, c'est total. Allez les peintres! Allez les peintres! Stop, Icop, stop, Icop, stop, Icop, stop, Icop. Non violence. Non violence, non violence. C'est sûr qu'il nous a respiré là. Non violence. Comme vous pouvez le voir ici, j'étais très inquiète parce que en fait, on voyait que ce jeune homme était quand même pas mal entouré de policiers, dont particulièrement deux qui étaient au niveau du haut de son corps, de sa cage thoracique. Et de là où on était, on voyait pas grand chose sur son état. Et du coup, bien sûr, ça m'a beaucoup inquiété parce que j'avais peur qu'il ne puisse pas respirer, tout simplement. Police, doucement. Pourquoi il bouge pas? On fait ça pour nos enfants. Pourquoi il bouge pas? Oh putain, mais ça met les masques à gaz par là. Non. Oh putain, ils vont nous gazer. Oh putain. Et vous trouvez ça juste? Vraiment? Ça c'est du courage. Pardon, désolé. Je attention, attention. Vous participez en détroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux. Comme
vous pouvez l'entendre ici, la policière fait des sommations, 3 pour être exact. Et selon l'article L211-9, je cite, « Un attroupement peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser demeurer sans effet. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une précision qui dit « Les représentants de la force publique peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux. » Et donc le simple fait que les forces de l'ordre utilisent des sommations montre que nous étions non-violents. Attends, j'essaie de me contrôler. Hey ! Mais ça va pas ou quoi ? Mais ça va pas ou quoi ? Dégagez la grenade. Elle est où? Mais arrêtez là, oh, c'est des gens en face. Et les gars, il y a 2 boucliers, 2 fusils là qui passent la main qui prend les gens. Nous étions donc non violents, tous regroupés, pour la plupart assis, et certains étaient menottés entre eux ou menottés à des objets. Donc c'est sûr que pour la fuite, c'est très compliqué. S'il vous plaît, je filme doucement. Doucement. On est non violents. Hey, mais doucement. Mais là, on marche même plus, on glisse, putain. Attention, il y a quelqu'un là. Attention, relève-toi. Vraiment, pas bravo, hein. Pas bravo. Tu veux que je t'essuie un petit peu le visage? Bien, merci. Allez, on resserre. Allez, ça va passer. Encore d'en face, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. En France, les forces de l'ordre utilisent le 2-chlorobenzylidène malonitrile, appelé gaz CS, qui en fait n'est pas un gaz mais un solide, qui va être pulvérisé grâce à un aérosol. Le gaz lacrymo irrite les yeux, la bouche, le nez, la peau et tout le système respiratoire. Le corps réagit grâce à des réflexes défensifs tels que pleurer, tousser ou encore éternuer. Moi j'avais l'impression de manquer d'air, j'avais aussi un peu envie de vomir, et bien sûr ça me piquait au niveau du nez, de la gorge et des yeux. Si vous avez déjà regardé l'émission Hot Ones, vous connaissez peut-être l'échelle de Scoville qui mesure la force des piments. Dans l'émission, les invités goûtent des sauces piquantes, dont la plus forte est à 1,5 million de Scoville, et ils douillent vraiment. Eh bien, les lacrymos ont une force comprise entre 2 à 5 millions de Scoville. Le gaz lacrymo, en plus d'être très douloureux, il faut savoir que lorsqu'il entre dans notre corps, il se transforme en cyanure. Et si vous avez déjà regardé James Bond, vous savez que le cyanure, c'est pas tip-top. En effet, le cyanure est une molécule qui bloque la chaîne respiratoire des mitochondries. En gros, avec du cyanure, nos cellules ne peuvent plus respirer. Heureusement, la quantité de gaz lacrymo que l'on reçoit en manif nous fait métaboliser une faible quantité de cyanure. Mais même s'il est à faible dose, le cyanure peut créer des problèmes de santé au niveau des yeux, du cerveau, des reins et du foie. Enfin, le cyanure finit par être éliminé par les urines. Après avoir été délogé, on s'est mis où on pouvait pour essayer de continuer à protester. Ton énergie sale est totale. Ton énergie sale est totale. Ton énergie sale est totale.
Moi j'ai eu de la chance parce que la grenade lacrymo est tombée à environ 1,5 m ou 2 m de moi, mais pour certaines personnes c'était beaucoup plus compliqué. Quand on est sorti de l'allée, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et moi j'étais vers la fin, genre j'étais vraiment côté policier. Et du coup ils ont commencé vraiment avant d'enchaîner sur nous, ils nous ont bien gazé. Après genre on n'a pas eu le choix que de partir. Mais le truc c'est qu'ils nous frappaient et nous on leur disait non violence. Ils nous frappaient, je sentais qu'il y avait des coups de pied, des coups de poing, enfin ça tirait sur les vêtements. Mais ouais du coup ils sont pas cool les policiers ouais. Malheureusement, les militants ainsi que les journalistes ont été pas mal bousculés par la police et même certaines personnes ont été blessées. Et on a une qui a explosé juste à côté de moi, donc du coup ça a brûlé et mon sac et mon pantalon. Je crois qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir à ce moment-là et en fait on est dans l'hésitation, est-ce qu'il faut qu'on reste et rester dans les lacrymos ou mais là ça brûle, on peut pas rester. Et du coup on se lève et on essaye de voir quelque chose. Après c'est violent pour les gens qui viennent dans... Enfin, on sait, ils savaient qu'on était nous violents et là on n'était vraiment pas dans un moment où on allait avancer ou reculer, juste ils voulaient nous virer de là où on était. C'est douloureux encore ? Ça me chie un peu mais ça va. Ils ont lancé, les policiers ont lancé une grenade lacrymo qui a du coup au milieu de nous qui a explosé au niveau de mes pieds. Et d'accord. Ça m'a brûlé énormément et j'ai un peu paniqué en tout cas quand tout est parti. Non franchement ça va beaucoup mieux. Enfin, okay. Révolte et scandaleuse. Bien sûr. J'ai un peu paniqué sur le moment, mais là. Okay. Tu seras toujours motivé à venir. Parce que ce sera. Ah, allez. J'adore, merci. Je filme juste. Doucement, levez les mains. Doucement, on est pacifiste. Doucement, on est non violent. On est non-violent, vous êtes filmés. On est non-violent, vous êtes filmés. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. Doucement. Doucement, on fait ça pour vos enfants. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. Médic. Ah, vas-y, là-bas, il y en arrive. Là, là, ici, poussez-vous, ici. Oh, mais ça va pas de brutaliser les journalistes. Ça vient, on fait des photos. À nous. C'est notre boulot aussi à nous hein. Oui, bah vous nous entravez. À nous. Médic, tu veux que je t'aide? Allez, on avance s'il vous plaît. On avance. Doucement s'il vous plaît, il y a quelqu'un à terre. Quelqu'un à terre. On est non violent. Alors là, chapeau, monsieur. Chapeau. Dis-moi, est-ce que je peux te filmer ou pas? Oui. D'accord, ok, merci. Ne nous attaquez pas, rejoignez-nous. Ne nous attaquez pas, rejoignez-nous. Ne nous attaquez pas, rejoignez-nous. Wow. Ils vont nous pousser. Lorsque l'on filme, notre caméra peut voir des choses que nous n'avons pas vues. Et c'est pour ça qu'en regardant les rushs, j'ai été très choquée de voir ce que je crois bien être un agent de sécurité qui tient un militant par la nuque. Voilà, alors là, incompréhension. Je suis en train de filmer. Mais je vais pas, je vais rien faire. Je filme juste. Mais vous voyez bien qu'il est pas bien. Vous êtes en train de le déshabiller, quoi. Non, mais c'est bon. Ça sert à rien de pousser en plus.
N'étant pas journaliste professionnel, je n'ai pas le joli brassard orange avec écrit presse. Et donc, les policiers m'ont gentiment demandé de m'éloigner. Elle fait quoi ? Journaliste ? Vous êtes journaliste ? Non, elle n'est pas journaliste. Elle s'abouche. Ah, mais non, c'est pas facile d'avoir la carte. Et je suis revenue plus tard en ayant enfin trouvé un brassard qui, cette fois-ci, n'est pas écrit presse parce que c'est pas légal, mais c'est écrit vidéo. Voilà, un petit brassard vert avec écrit vidéo dessus. Et cette fois-ci, on m'a plus embêtée. Yes ! Vous, madame, vous ! Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Ça va ? Non, pardon, je suis juste émue. Ok. Ça va ? Est-ce que c'est de l'émotion ? Moi aussi. Ah voilà. C'est bien aussi de... Moi, c'est les scientifiques qui arrivent, en fait, et je me dis... En fait, là, on peut pas faire plus, enfin, plus vrai, quoi. C'est écrit, enfin... Ouais. C'est fou que les cerveaux comprennent pas, genre, enfin... Ouais. Lacrymo ou juste trop-plein ? Non, émotion, parce que, enfin, c'est bête, mais... Tu vois, genre, maximum, les scientifiques sont là. Et le cri. Enfin, c'est vraiment qu'on se bouge les yeux, qu'on se bouge les oreilles et qu'on se bouge le cerveau, quoi. C'est là où il faut. Stop ! Hiccup ! Mais par exemple ! Stop ! Hiccup ! Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là en tant que scientifique, en tant aussi que maire et en tant que citoyenne. Aujourd'hui, c'est une action qui vise la prise de conscience par rapport à une entreprise comme Total, qui continue à investir dans le développement de nouveaux puits d'extraction d'énergie fossile, notamment Hiccup. C'est dénoncé dans des articles, et c'est pour ça que vous verrez des affiches qui parlent même carrément de bombe climatique. C'est-à-dire que mettre en place des investissements qui vont extraire cette énergie fossile, c'est forcément pour la brûler, et ça veut dire forcément qu'elle va se retrouver dans l'atmosphère. Et ça, ça rend impossible d'atteindre les objectifs des accords de Paris. Vraiment faire le métier qu'on aime, ce qui consiste à développer les meilleures connaissances scientifiques les plus tard possible. Thank you. Et si on est là, il y a un actionnaire qui va arriver. Je vais faire un dernier temps. Accélère, criminel, à vous. Non, mais moi je suis fatiguée. Là j'ai plus la capacité mentale à arriver avec des bonnes punchlines là. Non, mais boum, madame, ça me fait. C'est bon, c'est bon. Heureusement, malgré tout ça, on a sorti l'enceinte et on a eu le collectif Minute 12 qui a commencé à danser, nous redonnant de l'énergie. Donc c'était très chouette de voir ça. On a beaucoup dansé, on a beaucoup crié, on a beaucoup chanté. On avait cet élan de vie que ni Total, ni les actionnaires, ni toutes ces entreprises qui détruisent notre futur ne peuvent nous enlever. Cet investissement réellement, c'est de protéger délibérément une entreprise qui détruit les conditions de vie sur Terre. C'est extrêmement émouvant de voir ici, et ça me rappelle la phrase de Loire qui dit: nous étions quelques-uns, et puis soudain, nous voilà une foule. Donc merci d'être cette foule.
Malgré tout ce qui s'est passé, je pense que c'était important d'être là, ce jour-là, pour montrer qu'on était nombreux et nombreuses, qu'on était puissants, que nous aussi, on pouvait faire vaciller Goliath, et qu'on était du bon côté de l'histoire. C'est le courage ! C'est le courage ! Je sais qu'on ira jusqu'au bout. Alors tu vois bien notre rage au milieu de l'orage. Mes amis, on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, on s'est battu pour ce qui est bon, pour ce qui est juste, contre Goliath, et on va le faire flancher. Est-ce que tu viendras la prochaine fois ? Salut Camille, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent de venir en action de deux obéissances civiles ? Eh bien leur dire qu'on fait aussi parce que c'est juste, pas que parce qu'on peut gagner, que parce que c'est important et que ce qu'on fait là est éminemment important. On a une réaction de la ministre qui a réagi directement. On a des gens partout du monde même sur nous, parce qu'on a tout ce qu'on a, ce qu'il y a mis sur place. Ça nous donne de la force, ça donne beaucoup de force pour continuer le combat. Alors on est deux fois plus l'année dernière. Donc ça donne envie et ça donne un élan pour continuer le combat. Trop bien, merci beaucoup, merci mille fois. Merci. Et danse avec